皆さんはタベコの動画を見てるのは夜かもしれないんだけど、今日は一緒に朝ごはんを食べたいと思います。Du coup, aujourd'hui, comme vidéo, on va faire un échange de petit déjeuner. Je pense que toi, tu nous as préparé un petit déjeuner de ta région, du nord de la France. Voilà, je n'ai jamais goûté. J'ai un peu peur. Et du coup, nous, on va te préparer un petit déjeuner à la japonaise. D'accord. Japonais, bah déjà du riz, je suppose. Ouais, peut-être des œufs. Je verrais bien du riz avec des œufs. Je ne sais pas comment ils mangent les œufs là-bas. Un truc salé, quoi. Ouais, ah oui, oui. Oui, pas un truc sucré. Hein. Non, je pense pas. Tabere le kaga. Tu penses que tu vas pouvoir le manger ou pas? Ben, on verra. Là, il est 8h du matin. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir avaler. On verra bien. Je verrai. Moi qui aime bien manger ma confiture, etc. Ben, je vais essayer, hein. De toute façon, je vais essayer, pourquoi pas, faut essayer. Megan, il préfère le petit déjeuner salé le matin. Bah oui, mais bon, il est japonais, donc forcément, je pense que c'est dans leur culture de manger salé. Oui. Nous, ici, on est plus sucré, malgré qu'il y a des gens qui mangent salé. Hein. Ok, ben, on va commencer à faire à manger. Toi, t'en as beaucoup à préparer? Non, non. Je sais pas. Non, non, c'est rapide. Oh, bon, moi, ça va être très rapide. Hein. Ok, bon, on va faire en première. À tout à l'heure. またね。なんかご飯先に作った方が いいかなと思って炊飯器ないからさいい感じだね初めてこれで作ったんだけど YouTube の動画を見てみる使った やっぱ一番不便なのはフライパンが丸いっていうことね C'est pour moi? C'est la première fois que je fais ce genre d'omelette. C'est tout pour moi? Oui. Waouh! Ah, c'est excellent, Mandine! Oui, moi, c'est pour maman, c'est pour ça. Alors, ça s'appelle une omelette comment ça? À la japonaise? Tamagoyaki. Tamagoyaki. Une omelette sucrée. Ouais, c'est trop bon ça. Elle n'a pas encore goûté qu'elle non, mais les omelettes sucrées, j'adore ça. Mais alors, comme ça, elle a encore plus envie de le manger. Ils se font ça au petit déjeuner, les japonais? Dans les bento aussi. Oui. Ils ont le temps de se faire ça, le matin. Tu veux goûter, je suppose? Bah non, hein, c'est pour moi. Toi, c'est pas ça que tu vas manger. Et pour les mais chacun le. Oui. Oh, kiré. Norue-san. Onenuki natte. T'as payé combien 3 morceaux de saumon comme ça? J'ai dit faites attention de pas trop me gâter parce que je serais capable de faire mes valises et de partir avec vous au Japon le 20. Ah, c'est ça? Oui. Ah, super. Eh bien, oh, mais oh, ça, j'adore ça. C'est toi qui m'as fait connaître ça. Mais en fait, les Japonais font ça, mais pas quand ils n'ont pas le temps le matin. Maintenant, je ne sais pas trop dans les coupes maintenant, mais je sais qu'avant, c'était la femme au foyer qui se levait le matin pour faire le petit déjeuner et le bento des maris. Ah oui, parce que j'allais dire, manger un petit déjeuner comme ça quand tu dois partir travailler, ça ne doit pas être possible. Voilà, il faut se lever 2 heures avant, quoi. Nous, c'est plus rapide le petit déjeuner hein, chez nous. Le petit déjeuner, en général, ça se prend en famille. Mmh. Et en fait, on discute pour tous commencer la journée correctement. On discute un petit peu comme le repas du soir. Mmh. Et puis après, tout le monde s'en va faire ses activités, chacun de son côté. Mais on part tous avec. On commence bien la journée. Dans quoi? Dans le riz. Couramment, c'est quoi ça? Ce qui m'en a
ça, ça me donne déjà un petit peu moins envie le matin, quoi, les concombres. Ah ouais. Tu préfères le saumon que les concombres le matin, toi? Bah, en fait, j'ai jamais mangé tout ça le matin. Je sais pas. Je ne sais pas ce que je préfère. J'ai jamais mangé, ma puce. Mais j'avoue que déjà, ça, c'est très appétissant. Oh. Il est au présent. C'est facile. Oui, c'est du fromage. C'est un fromage du nord de la France, de ma région natale. C'est le maroilles. 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 C'est une spécialité. C'est une spécialité du nord. Ouais, ouais. Du nord. Du nord de la France. Alors ça c'est pour vous, vous voyez, c'est pas la même chose que moi. Tu vas réussir à manger le natto ou t'en veux pas? Ah c'est vrai, le natto. Il est dans le garage. Amandine, tu peux te mettre là. Là-bas, en face de moi, ou inversement, peu importe. Je vais vous expliquer ce qu'est le petit déjeuner du Nord. Allez, on y va, c'est parti. Alors, le petit déjeuner, alors moi, japonais, alors dans le Nord de la France, on prend du café, on met un petit peu de lait, on rajoute, au niveau du sucre, on rajoute de la cassonade. Hein? Dans le café. Hein? Si on aime le sucre, on met de la cassonade. Moi, je l'achète en Belgique. Je la fais venir de Belgique. Elle est excellente. C'est la meilleure. On tartine le beurre sur le pain. On prend les morceaux de maroilles et on les trempe. On mange le maroilles après. Mais attends, tu prends ça avec les mains, ça pue quand même. Et vous m'expliquez, moi, comment ça marche? Oui, ça marche. J'ai plein de choses à manger par rapport à vous. C'est beaucoup plus consistant, mais alors, dans quel ordre, Gen? Le concombre et le saumon, je suis surprise. Ah, puis il y a le natto. Oh là là là. Moi, le natto. T'as des protéines, les légumes avec le concombre. En fait, ça repart. Ça aussi, des protéines et des fibres. Et donc les glucides pour l'énergie et la soupe avec les légumes aussi. Oui, mais alors les Japonais, quand ils mangent ça le matin, ils mangent pas le midi. Si. On mange petit à petit un peu de tout. Genre tu finis pas tout ton saumon pour attaquer ton riz. Oui, tu manges un petit peu de là, un petit peu de là. Ah, mais c'est bon. c'est bon, mais à la place du café le matin, c'est un peu dur. Le salé le matin, c'est pas... C'est comment? Bah, c'est particulier, mais bon, je crois que c'est une question d'habitude. Ouais, mais en plus, tu sais que ça tient mieux au corps et t'as moins la barre de fatigue à 10h du matin. Mm-hmm. Vu que c'est pas sucré-sucré comme en France, tu vois, tu mets pas de sucre. C'est des protéines, en plus, ça te tient bien. Mm-hmm. C'est pas trop salé? Non, c'est bon. Il a du mal à tartiner, lui. Ben non, mais tu vois, ça c'est typiquement français. C'est dur. Tu sais, moi, manger avec les baguettes, c'est dur aussi. Moi aussi. Ah, bien, Gaël. Bravo, Gaël, il s'est tartiné le beurre. Oui. J'en mets combien? Non, bah, comme tu veux. Normalement, on fait un bol de café, là. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. Il candie. Café au lait. Mon cocktail. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé, ça. Qu'est-ce qui pue le plus entre le natto et le maroilles? Ça, je sais. C'est pas trop. Oui, c'est ça. Oh, tout est tombé. Mélangé en rond. Comme ça? Oui, oui. Ah. Oui, mais apparemment au Japon, ils ont mangé. C'est ça qui leur donne la bonne santé. Faut que ça fasse de la mousse. C'est la mousse, justement, qui fait la bonne santé. Ah, c'est la mousse qui fait la bonne santé. C'est appétissant. Appétissant? Appétissant. Non, pas trop. T'as pas mis de natto du tout, là? Ah, c'est épicé, mon Dieu. Ah, karashi, karai, comme on est. Ouais, elle est plus forte que celle en France. Ou alors, peut-être pas. Non, mais c'est pas mauvais. Ça passe. Ah, moi, on a eu tabete. Ah, oui.
Autant le natto seul, j'avais mangé, mais avec le riz, ça passe tout seul. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Et papa, il mange pas ça le matin. Hein. Oui, non, papa, il peut pas, ça pue trop. Hein. Même le midi, il mange pas. C'est que dans le nord de la France qu'on met ça. Hein. Mm. Oui, là, c'est parce qu'Amandine, elle l'a vraiment bien réussi. Mais franchement, manger autant le riz passe le matin que ça, c'est plus compliqué. Hein. Ah bon? Ouais. Je préfère le riz et le natto que ça. Hein. Ça. Hein. Ils ont... Moi, je passe le mois, ça passe beaucoup mieux l'œuf que ton riz avec ton natto. Pas faire ça, moi. Ça doit pas être normal. Mais pourtant, elle est sucrée. Toi qui aimes le sucre le matin. Oui. Ouais, mais je préfère manger du riz avec le natto que ça. Ok. Bon, par contre, l'omelette toute seule, t'en penses quoi? Ah non, excellente. Hein. Mm. Elle est bonne, hein. Ichio kusai cheese o kohini de le type no hito da kara. Tashika ni natto no hou ga tsujiru kamo. C'est goûté concombre. Le concombre, ça va. C'est ça que je préfère. Mon père se mange toujours du natto. Ah, du ton natto. Papa mange tous les jours du natto. Tous les jours natto. Ah bah c'est peut-être pour ça qu'à son âge, il est très en forme. Ah voilà, on trempe le pain dans le café et après on mange le... Ah, これがいいわ、私。Voilà. これが好き。Oh, ça, c'est excellent, ça. Pour un enfant, ça passe tout seul. Bah oui, on a faim. Il est... Bon. Facilement. On mange facilement. Ce matin, oui. Mais il a l'air bien aimé, lui. Bah oui, bah, c'est ce que j'ai dit. Bah lui, il a l'air, t'as l'air de bien aimer. Mmh. Tu aimes bien, Ah oui, je le vois, oui. Parce que là, en plus, tu m'as fait mettre du sucre dans le café. Tu fous du fromage dans le café sucré. Je crois que c'est encore pire que de foutre dans le café normal. Le sato, il est takara. Sato to cheese, c'est doyu kanji nano ka wakannai. J'ai l'air, né. Waouh, attends. これが普段の朝ごはんでしょ。お母さんの県の朝ごはん。ね、toi, tu mets carrément dans le chocolat aussi. Dans le chocolat. Dans le chocolat, tu mets toi. Le camembert dans le chocolat. C'est encore meilleur. C'est le meilleur. En fait, le fromage, il est tellement fort qu'on sent pas le café. Ça fond. Ouais. Parce que c'est chaud et ça fait fondre le fromage, c'est bon. C'est ça qui est bon. Ah, je veux pas louper ça. Allez, gaine. Oh, il aura tout fait, le pauvre. Allez. Ouais. Il a plus la tête, ça l'a réveillé le matin, là. Tu n'aimes pas? Il a du mal à l'avaler, là. C'est plus du faux. C'est fort. Ça pue, t'es dégueu. Alors, pas le fromage. Tu n'aimes pas trop le fromage? Vas-y, Gaël, donc comme tu n'aimes pas trop le maroilles trempé dans le café, essaye de manger le maroilles sans tremper dans le café. Mmh. C'est bon? C'est meilleur. C'est meilleur? Mmh. Alors, et moi, alors les prunes, parce que là j'ai goûté avec le natto, je voulais goûter avec les prunes. Si, c'est bon. C'est bon? Ouais. Bon. Je vais goûter avec les prunes salées maintenant. Non, c'est excellent. Hein. Oh, ouais. Oh, c'est vraiment très bon. Hein. Oh, franchement, ça, j'adore. C'est natto meilleur. Meilleur que le natto? Ouais, je préfère ça que le natto. Ah, okay. Ok, d'accord. Mais le natto, j'arrive à le manger. Donc tu pourrais manger du riz le matin, toi, en fait? Peut-être. Oh, bah c'est bon, tu peux aller en Asie, alors. Et toi, alors, ton petit déjeuner, qu'est-ce que t'en penses? C'est... J'aime bien. Tu aimes bien? Oui. C'est complètement différent du japonais, mais tu aimes bien aussi. Que ça, pour moi, ça c'est un repas. Hein. Ouais. Mais franchement, je les admire parce que s'ils font tout ça le matin, enfin si la femme elle fait ça pour son mari et ses enfants, plus le repas du midi. Plus le repas du midi, bravo, parce que franchement, je me vois pas cuisiner tout ça le matin. Donc, on en a fait beaucoup. Donc, bon, alors j'ai goûté seulement le matin. Oui, croque. Mmh. Non, en fait, je suis trop bonne pour faire la cuisine, moi. Ouais, je suis. Chibayo. Ah, il est excellent, ouais. T'as vu ça? Ah ouais. Ah ouais, c'est très bon. C'est bon. En fait, il faut que je vienne en France pour cuisiner bien japonais. Quand je suis au Japon, je cuisine mal. Donc on va changer. Gaël va rester en France et moi je vais repartir un peu au Japon. J'ai deux chambres de toute façon. Aujourd'hui, j'ai eu plus de facilité à boire donc le café avec le pain, le beurre et tout, que le petit déjeuner japonais avec le riz.
Y'a quand même pas photo, je veux dire, le petit déj japonais est quand même beaucoup plus équilibré et bon pour la santé. Je veux dire, tu mets du fromage gras dans du pain avec du beurre, je veux dire, c'est tout gras. C'est sûr que le petit déjeuner japonais, au niveau qualité, est de certainement de meilleure qualité que le petit déjeuner français. Honnêtement, ouais. Oui. Bon, moi j'ai tout mangé, j'ai vraiment bien aimé. Mais est-ce que je serais capable de manger ça tous les jours? Je ne sais pas. Peut-être qu'avec l'habitude, oui. はい、皆さんは今日朝ごはん一緒に過ごしていただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？ぜひコメントで教えてください。これからこのチャンネルでは面白い企画たくさん予定しておりますので、ぜひまだ登録してなければチャンネル登録してお楽しみください。では次の動画へお会いしましょう。バイバイ。バイバイ、メッシー。バイバイ。